Dans l'enceinte majestueuse d'une université renommée résidait un homme érudit du nom de Pierre. Il était très aimé et respecté dans sa communauté universitaire. Il aimait enseigner et était gentil avec ses collègues et ses étudiants. Mais par-dessus tout, Pierre avait un fidèle compagnon, un chien nommé Max. Ce fidèle animal était toujours aux côtés de Pierre. Qu'il aille, témoignant d'une loyauté sans faille. Chaque matin, Pierre et Max se réveillaient tôt pour commencer leur journée ensemble. Pierre prenait son café pendant que Max se prélassait près de lui, attendant avec impatience le moment où il se rendrait à l'université. Une fois prêts, ils partaient ensemble, marchant côte à côte à travers les rues animées de la ville jusqu'à parvenir au campus. Max aimait particulièrement les jours ensoleillés où il pouvait courir librement dans le parc près du campus pendant que Pierre enseignait à ses étudiants. Pendant ces moments, Max explorait chaque recoin du parc, reniflant les fleurs et poursuivant les écureuils, mais jamais trop loin de l'endroit où son maître se trouvait. Pendant ce temps, Pierre partageait son savoir avec passion, inspirant ses étudiants à apprendre et à grandir. Son amour pour son travail se reflétait dans chaque mot qu'il prononçait et chaque geste qu'il posait. Max, même s'il ne comprenait pas les leçons de Pierre, ressentait la joie et la fierté de son maître à chaque fois qu'il le regardait enseigner. Après chaque cours, Max attendait patiemment à la porte de la salle de classe, sa queue battant joyeusement à chaque fois que Pierre sortait. Ils rentraient à la maison ensemble, partageant des moments de complicité et de bonheur. Pour Max, il n'y avait rien de plus précieux que ces instants passés avec son maître bien-aimé. Mais un jour, alors qu'il enseignait, Pierre ressentit une douleur intense dans sa poitrine. Il eut du mal à respirer, ses mains devinrent moites et sa vision se brouilla. Il savait que quelque chose n'allait pas, mais il ne voulait pas inquiéter ses étudiants. Il termina son cours avec un sourire forcé, priant pour que la douleur disparaisse. Après le cours, Pierre se dirigea vers son bureau, mais la douleur devint insupportable. Il s'effondra sur le sol, son souffle devenant de plus en plus faible. Bouleversé et pris de panique, les étudiants accoururent pour lui porter secours. Dans un geste rapide, ils alertèrent les secours, mais hélas, malgré leurs tentatives acharnées, il était déjà trop tard. Pierre avait rendu son dernier souffle. Max, qui l'attendait comme d'habitude à la porte de la salle de classe, sentit quelque chose de différent ce jour-là. Il n'y avait pas le sourire ni la voix de son maître. Inquiet, il se leva et se précipita vers le bureau de Pierre, mais il ne trouva que le chaos et la confusion. Le cœur lourd, Max retourna à la porte de la salle de classe, espérant que Pierre reviendrait comme d'habitude. Il resta là toute la journée, ignorant la pluie qui tombait et le froid qui engourdissait ses membres. Les étudiants qui sortaient de la classe le regardaient avec tristesse, comprenant la peine du fidèle chien. Les jours passèrent, mais Pierre ne revint jamais. Max continuait d'attendre, espérant contre toute attente que son maître réapparaisse un jour. Chaque matin, il se rendait à l'université avec l'espoir de retrouver Pierre, mais chaque soir, il rentrait à la maison seul et déçu. Les saisons changèrent, mais Max ne bougeait pas de son poste. Les feuilles tombèrent, recouvrant le sol de couleurs vives et éphémères, mais Max restait là, immobile, comme une statue de fidélité et d'espoir. Les gens du quartier commencèrent à remarquer le chien fidèle qui attendait toujours à la porte de l'université. Certains lui apportaient de la nourriture et de l'eau touché par sa dévotion sans faille envers son maître disparu. Mais Max ne s'intéressait à rien d'autre qu'à attendre Pierre, son seul et unique amour Les années passèrent, mais l'espoir de retrouver Pierre était toujours présent dans le cœur de Max. Les étudiants qui avaient connu Pierre commencèrent à diplômer et partir. Mais Max restait, fidèle à son poste, attendant patiemment le retour de son maître bien-aimé. Finalement, après de nombreuses années d'attente, le corps de Max ne put plus supporter les rigueurs de la vie. Il était vieux et fatigué, ses membres raidis par l'âge et l'arthrite. Un matin, alors que le soleil se levait doucement à l'horizon, Max ferma les yeux pour la dernière fois son cœur battant encore une dernière fois avec l'espoir de retrouver son maître. Le quartier pleura la perte de ce chien loyal qui avait attendu son maître jusqu'à la fin. Les étudiants et les résidents se rassemblèrent pour rendre hommage à Max. Un rappel poignant de l'amour inconditionnel d'un chien pour son maître. Une statue fut érigée en l'honneur de Max une représentation éternelle de sa loyauté et de son dévouement.